What a wonderful world. How they really say I love you. Donc bonjour à tous, vous êtes nombreux à me demander pourquoi je vais rarement dans les restos routiers. En fait c'est pas que j'ai boycotté, c'est que j'aime pas l'ambiance, j'aime pas le service et tout ce qui tourne autour en fait. Donc vous n'êtes pas sans savoir que j'étais commerçant avant et que j'avais un bar et que je travaillais dans les restos, donc je connais un peu le truc quand même. Et je trouve qu'il y a déjà il y a pas mal d'endroits où ils ont oublié d'être commerçants. Exemple, centre routier de Beaune, où tu peux pas prendre ta douche si tu manges pas. Ben, moi je sais que je coupe, on roule tout le temps en décalé, donc même en payant ta douche, même en bouffant un casse-dalle et en buvant un coup, ils veulent pas que tu prennes ta douche. Donc ça, je trouve pas ça très commerçant quoi. Exemple con, l'autre jour encore, j'arrive au même centre routier et la fille elle me ferme la porte au nez, elle me dit ben je vais passer mes commandes, je vous rouvre tout à l'heure. Voilà, ben, moi je voulais simplement boire un coup, puis m'en aller et ben non. Ça va. Et donc il y a des très bons restos en routier, hein. Je ne vais pas compte, mais après c'est des ambiances que j'aime pas, c'est toujours les mêmes ambiances, avec toujours les vieilles blagues miteuses là, donc ça j'ai beaucoup de mal. Et voilà quoi, et déjà faites l'expérience, vous rentrez dans un resto routier où c'est bondé de monde à l'apéro et vous demandez un Perrier citron. Est-ce que la semaine je bois pas une goutte d'alcool, même le week-end je bois rarement moi, donc et ben vous allez voir la tête que les mecs y font quoi. T'as l'impression d'être un extraterrestre sorti d'une autre planète. Donc pour ça j'évite quoi. J'évite. Et puis j'aime pas du tout l'ambiance qu'il y a. Moi j'aime bien manger au routier quand c'est des routiers qui font à manger toute la journée. Pour la simple et bonne raison c'est que moi à midi ben, je peux pas manger, ben, je mange à 14h ou à 16h, ça me dérange pas. Et au moins à 16h t'es tranquille quoi. Mais bon, il y en a de moins en moins qui font à manger. À part les gros centres et puis les grands routiers, parce que c'est comme tous les petits routiers qui me font bien rire là. Ça se dit routier, ça n'a pas de douche, tu prends le bouquin, tu regardes des routiers, ah bah oui, les restos routiers, il n'y a même pas de parking, c'est dans un bouquin de routier, il n'y a pas de douche, c'est dans un bouquin de resto routier. Ah, je comprends pas trop le truc quoi. Après c'est mon avis hein. Moi je sais que j'aime pas du tout l'ambiance et j'aime pas les gens qui fréquentent, bah, c'est pas les gens, j'aime pas certains, l'ambiance quoi. Moi le soir, quoi, puis le brouhaha qu'il y a là-dedans, c'est impressionnant. Quoi. Moi le soir, c'est un moment de détente, quoi, normalement de manger, de prendre ta douche et tout, et là c'est pas le cas, dans beaucoup de routiers c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que j'évite d'aller dans les routiers. Mais bon, après ça regarde. Voilà, tout le monde. Il y a énormément de gens qui me demandent pourquoi. Donc voilà, la raison est toute simple, c'est que j'aime pas l'ambiance et j'aime pas les lieux. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont oublié d'être commerçants, mais. Quoi, il a beaucoup oublié d'être commerçant. Encore, voilà, je vais pas forcer le passage, je sais pas bien ce que je fais, mais il n'y a pas le choix. Encore l'autre jour, je vais dans un resto, c'est quelques jours avant-hier, je vais dans un resto routier, d'ailleurs ça m'a donné une idée parce que de faire cette vidéo, je vais dans un resto routier hein, avec la pancarte les routiers et tout. Parking 10 places sur la place publique, hein, donc petite place publique à 500 mètres du resto. Bon, jusque là c'est encore pas trop grave. T'arrives là-bas, tu demandes pour prendre une douche, le mec il dit non, c'est pas l'heure. Bon bah maintenant il y a une heure pour prendre une douche. Et non seulement ça, mais en plus il m'a même pas dit bon ben là tu crois que je m'arrête comme ça toi. Mais t'as foin va. Je ne sais plus ce que je veux dire. Entre parenthèses, ils sont pas prioritaires. Hein. On doit leur faciliter le passage. Petite parenthèse faite. Et j'aime pas du tout faire comme il a fait là, forcer le passage alors que j'ai pas le choix moi. Je suis chargé. C'est pas à moi de m'adapter.
Je sais plus ce que je disais du coup. Je sais plus ce que je disais. Oui, que le gars, je suis rentré dans son resto, il m'a même pas dit bonjour quoi. Il est arrivé, je vous sers quoi? J'ai bah un café, 1,30€. Voilà, c'est le seul mot que j'ai entendu de sa bouche quoi. Je vous sers quoi? 1,30€. Je suis parti, j'ai demandé pour la douche, il m'a dit c'est pas l'heure. Après, quand j'ai vu le menu et tout, j'ai dit, puis la propreté du lieu quoi. Parce que j'étais faire un tour aux chiottes, et puis quand j'ai vu le mec, c'est le mec qui faisait la cuisine, l'état qu'il arrivait pour servir au bar, et bah, j'ai dit, moi jamais de la vie je mange là quoi. Donc voilà, donc je suis retourné au camion et je me suis fait un truc. Parce qu'en fait, le problème des restos routiers, c'est qu'il y en a beaucoup qui se font leur tort. Hein. Quand tu vois les mentalités, les tarifs qu'ils appliquent, et moi je suis désolé, mais quand tu manges dans un resto routier, je comprends pas qu'on te fasse payer une douche quoi. Ça, j'arrive pas à y comprendre. C'est un service quoi. Et le service, c'est le bien bas du commerce quoi. C'est... Voilà. Après, t'as des routiers où c'est des usines à pognon. Bah, tu y vas, tu sais que c'est une usine à pognon. Voilà, mais au moins tu peux bouffer à n'importe quelle heure, tu peux te doucher à quelle heure. Exemple con, Barbezieux, tu payes tout, tu payes la bouffe, tu payes 1€ de plus si tu dors, si tu suis le parking. Parce qu'avant c'était 13€ et le parking était compris dedans, maintenant c'est 13€ plus 1€ pour le parking. Donc c'est un peu le truc. Tu vas prendre une douche, tu payes ta douche, mais bon, on le sait, hein, c'est des usines à pognon. Mais par contre, tu peux te doucher H24, tu peux manger, pas H24 là-bas, mais pas loin. Je crois qu'ils arrêtent à 23h, je sais plus. Mais bon, voilà quoi. Moi je dis non plus, c'est pas une histoire de grande cuisine, mais au moins que ça soit propre. Et puis quoi dire d'autre? Ben voilà, sinon j'ai fait le tour, pourquoi je ne vais pas dans un resto routier? Voilà, c'est déjà parce que c'est plus... maintenant on est obligé de s'adapter à leurs horaires quoi. Donc si tu manges pas de midi à 13h30, tu peux pas manger. L'état de propreté, l'état des lieux, l'état général, l'accueil, ben, c'est franchement plus que c'était. Les parkings, ben alors il y en a, c'est soit c'est des champs de patates, soit on te demande de payer 2€ de plus pour même s'il y en bouffant. Et voilà, moi je sais que je m'arrête régulièrement dans les routiers et boire un café, manger un bout en dehors des heures quoi, dans ceux qui font manger en dehors. Mais maintenant, quand c'est midi 14h, je m'arrête pas à manger au routier, et quand c'est 19h, 21h30, 22h, je m'arrête pas au routier. Parce que c'est trop une usine à pognon, il y a trop de bruit, il y a trop de gros lourdingues. Et moi j'ai beaucoup de mal quoi. Et en plus j'ai pas un caractère très facile, malgré ce qu'on croit. Donc ça aurait vite fait de me gonfler sévèrement. Parce qu'il y a les mecs qui font Paris-Marseille en 4h30, c'est bon quoi. Ou alors ben, c'était mieux avant, les jeunes c'est tous des cons. Voilà. Et ça je l'entends régulièrement. Hein, mais bon. Après c'est un choix de vie. Hein. T'as des gens qui choisissent de laisser leur paye, tous leurs frais dans, dans les restos. Ben, à ce compte-là, ben, il ferait mieux de rester rouleur régional. Et puis moi je préfère manger au resto pour me faire plaisir. Quoi. Aller dans les endroits où c'est sympa, où tu manges bien, où tu es bien reçu, où tu n'es pas un numéro, parce que tu as des endroits où tu es un numéro. On n'en a rien à foutre de ce que tu vas manger. On ne te demande même pas si ça s'est bien passé. Ça, c'est le béaba du service aussi. Tu vas dans un resto que le mec il est même pas capable de t'amener du pain, ça me gonfle quoi, une force. Et ça se dit serveur quoi, ou serveuse. Et à côté de ça, il y a des très bons des routiers où on mange bien. Quoi. Moi j'aime bien aller à Bourges, j'aime bien aller à Barbezieux. Moulin, c'est, j'aime bien y aller, mais après c'est tous les coins que je fais beaucoup quoi. Mais il y a des endroits où j'aime bien aller au routier. Bon, qu'est-ce qu'ils font là? Ça avance plus. Donc ils courent. Et le problème c'est que ça se perd, ça, des bons routiers avec des bons plats. Moi je me rappelle, je mangeais un routier, je sais plus le nom aussi, je me l'arrête de temps en temps. Bah tu croirais manger chez ta grand-mère quoi, c'est le plat sur la table, bah, prends ce que tu veux et mange quoi. Bah là ça me dérange pas, et c'est pas une histoire de tarif, c'est parce que je m'en fous de payer du moment que la bouffe en face elle est bonne quoi. C'est pas uniquement une histoire de tarif. Hein. Quand tu vas bouffer un McDo, t'en sors pour entre 10, allez, entre 15 et 20 euros. Bah je vois pas pourquoi quand tu vas dans un routier tu payerais pas entre 15 et 20 euros. Hein. Si tu sors puis que c'était bon ou que c'était propre et que t'as eu un accueil, t'as passé un bon moment dans un endroit tranquille, bah voilà quoi. Mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal avec les restos routiers dits traditionnels quoi. Parce que déjà ils font plus de bouffe traditionnelle, et, ils sont même pas foutus de faire une vinaigrette. Donc ça devient quand même la mayo, on n'en parle même pas. Les moutardiers sont faits quand ils y pensent.
c'est même pas histoire d'être à cheval, mais c'est vrai qu'il reste des très bons endroits, mais je m'y arrête. Du coup, ça me démotive un peu, quoi. Mais bon, si vous voulez vous arrêter dans les restos routiers, il faut surtout pas suivre les routiers, la pancarte, les routiers. Hein, parce qu'une fois sur deux, il n'y a pas de parking. Une fois sur deux, en fait, les routiers, pour avoir le truc, tu payes. Parce que je sais très bien de quoi je parle. Hein. J'ai eu le cas. Hein, pour avoir le truc, il faut payer. Donc après, tu as un parking à proximité, c'est très bien. Voilà. Marque de parking de 10 places à proximité. Mais après, il y a des très très bons routiers. Hein. Quand tu vas en Bretagne, il y a des très bons coins. Quand tu vas. Mais après, tout ce qui est. Comment je veux dire, tout ce qui est sur. Bref, les endroits où je ne vais pas dire de nom parce que je vais me faire lyncher. Mais il y a des endroits, franchement. Il ne faudrait pas que les services sanitaires ils arrivent. Quoi, parce que. Je m'arrête boire le café, hein, mais c'est tout. Hein. Jamais je mangerai là-bas. Hein. Bon, après c'est comme ça, mais bon, vous êtes nombreux à me demander pourquoi je mange pas dans les restos routiers, pourquoi je mange dans mon camion. Ouais, je voulais quand même faire un truc et expliquer. Mais... Puis après, il y a aussi une histoire d'horaire, quoi, parce qu'on est tout le temps décalé, donc forcément, on tombe pas toujours dans les horaires, comme je vous disais. Il y en a de moins en moins qui font à manger tôt le tard, donc. Rien que passe sur la piste cyclable, l'autre sur le piste vélo, voilà, mais. Oh là là. C'est pas évident de circuler à cette heure-là, ici. Donc, voilà. Après, je pense que on va être nombreux dans ce. Je ne dis pas que tous les restos routiers sont pas bons, hein, attention. Hein, je dis que pour ma part, je ne mange plus dans certains, voire les trois quarts des endroits que je fréquentais, dû à tout ça, quoi. Le non-respect, le brouhaha, quoi. Le brouhaha quand tu manges. Alors, s'il y a 20 mecs qui hurlent, qui ont bu 50 kir avant et puis qui hurlent devant une télé qui est à donf, oh, ben voilà, quoi. Préfère manger, moi pour moi, comme j'ai toujours dit, hein, tu prends une douche, c'est un moment de détente, c'est, manger c'est un moment de détente, donc ça me fait un peu chier de manger dans des conditions comme ça, quoi. Mais bon, après, j'ai rien contre eux, mais je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Mais bon, je ne citerai pas de resto, mais il y en a des très bons, faut pas non plus jeter la pierre, quoi. Très bon, qui savent innover, qui savent faire autre chose que de la bouffe achetée à promo cash, parce que ça je connais très bien, promo cash métro, parce que les salades de veau, les salades de tête de veau, les salades de museau, les salades de museau, je voulais dire, salade de museau, la piémontoise et tout, qui sort de chez métro en bac de, que tu achètes en bac de 10 kilos là, tu baignes ça dedans, n'importe qui peut le faire, quoi. Le coco vin, le chez métro, tout le monde le fait, hein. Puis je les reconnais, hein, les trucs trop cuits et pas bons. Et voilà, il y a un moment, franchement, quand tu vois la qualité de la bouffe en France, ben, il y a des restos routiers, il ferait bien de prendre un peu de poids là, parce qu'ils pourraient faire tout aussi bien pour le même prix, quoi. Entre autres, j'ai un exemple, j'ai un copain à moi qui était cuistot, qui avait un resto pendant 15 ans, qui s'est retrouvé à l'Euroscar à Vitry-en-Charolais et qui était là-bas et qui faisait à manger pour le même tarif que le cuistot d'avant, sauf que lui c'était tout du frais. Voilà. Donc, il y restait pendant un an et il est parti. Ben, tu vois la qualité, ce qui s'est tout de suite ça s'est ressenti, quoi. Et lui c'était un vrai cuisinier, c'est pas un réchauffeur de plat de cantine, quoi. Voilà. Bon, ben, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser des coms, à me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez des restos routiers, et si vous avez des bonnes adresses, n'hésitez pas à me les donner en com. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.
without you on my side. But now there's nobody by my side. I need you, I need you, I need you right now.